Coucou à tous, ben, il y en a marre de ce confinement, il y en a marre de pas bouger. Alors pour ceux qui n'ont ni vélo elliptique, ni step, ni stepper, ni machine, ni terrain, eh bien je vais vous proposer quelques petites séances à faire chez vous pour pas perdre toute votre masse musculaire, pour pas perdre tout votre entrain, pour qu'on se retrouve dans quelques semaines en forme. Donc je vais mettre la musique, je vais vous proposer une petite séance jambes, je mets la musique et on va se lancer. Et moi je viens vous voir, attention je vous ai à l'œil, hein. On souffle bien, on rentre le ventre, on serre les fesses et on va taper la fesse avec le talon. Regardez. Un petit peu et on revient, je serre à chaque fois les jambes, je bouge un petit peu, je décontracte bien le haut du corps. Allez, hey, petite flexion. Allez, on appuie bien fort sur les talons. Allez, allez, courage à tous. Et on reste en bas, petit. Moi, je ne vous vois pas. Ça me manque hein, de vous voir. Hein. Vous allez pouvoir me voir un petit peu de temps en temps. On va ouvrir les jambes. Vous ne voyez pas mes pieds, mais j'ai les jambes ouvertes. On monte et on descend. On serre bien fort les fessiers.
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, on reste. Vous restez, j'ouvre les rideaux pour faire un petit peu rentrer le soleil. Ouh, il fait beau dehors. Allez, tout petit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On relâche. Si on a mal aux cuisses, on attrape le pied, on amène le pied vers la fesse. On étire quelques secondes. J'ouvre parce que j'ai déjà chaud. On va changer de jambe, on attrape l'autre pied, on étire. On étire bien comme il faut, ça fait du bien. Soyez prudents, hein. On n'a pas fait de sport pendant quelques temps. On relâche. On va croiser un pied devant l'autre. Je ne sais pas si vous allez pouvoir me voir. On croise les pieds. Hop. Et on descend sur les jambes. Pour étirer les fessiers, les ischio-jambiers. On est comme ça, on descend. Allez, je vous regarde. Je vous surveille. Et on va changer de jambe. On reste, on souffle, on souffle, on souffle, on descend, on descend, on descend, on descend. Et pour remonter, vous vous souvenez, on remonte le dos rond, la tête en dernier, tout doucement. On respire bien. Ok, ça, ça fait du bien. Petite entrée en matière. Les pieds sont serrés. On va écarter, faire squat et revenir. On écarte, on fait squat et on revient. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va rechanger de jambe. On refait sur l'autre jambe. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. Je m'en vais 2 secondes, je vais chercher mon eau. Bien penser à hydrater. Donc je prends ma bouteille. Voilà. Alors les filles et les garçons, vous allez vous mettre contre un mur. Vous allez lever la jambe et faire des cercles comme ça. Posez bien. On pose bien le dos contre le mur. On lève la jambe, on contracte les abdos et on tourne des grands cercles. Et 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens. Est-ce que vous avez votre jambe d'appui bien fléchie? 1, 2, on tourne. 3, 4, 5, 6. 7, 8, on change de sens. 1, 2, 3, dos contre mur. 4, 5, 6, 7, 8, on relâche. On souffle. J'ai plus l'habitude, moi, de travailler en respirant et en comptant pour vous. C'est parti, l'autre jambe. Allez, 1, dos contre le mur. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. La jambe d'appui fléchie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vous regarde. 7, 8 dans l'autre sens. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche et on étire. On étire bien les cuisses. Vous attrapez votre pied, vous posez votre talon sur votre fesse et vous étirez. C'est important d'étirer, vous vous en souvenez. Allez, l'autre jambe. On boit un petit canon. Alors, on va essayer quelque chose d'un peu plus dynamique. S'il y a des enfants, ça va les faire sauter, ils vont être contents. Ceux qui n'ont pas envie de sauter, ne sautent pas. Je ne suis pas là pour vous contrôler et vous disputer cette fois-ci. On va faire un petit squat en sautant et je referme. Un petit squat et je referme. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On reste écarté et on va faire des petits comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On bloque et on reprend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive plus à compter, 8, 9, 10, on reste et on tremble comme ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et ben on redresse. Un petit peu, ça fait du bien, vous avez quelques sensations. Moi du coup j'ai super chaud. Peut-être que la prochaine fois je ferai dans le terrain, hein. Alors à faire pour tout le monde. Une chaise. Je vais me mettre face à vous. Jambes écartées. On s'assoit et on remonte. On s'assoit et on remonte. Allez, 1, 2. Serrez bien les fessiers en montant. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va accélérer un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce que vous avez un petit peu mal là? On étire doucement. Ok, alors ça fait du bien. Maintenant on va se mettre au sol. Je vais essayer de le mettre au sol. S'allonger. On va faire un petit peu les fessiers. Souvenez les fessiers quand on est comme ça. Hop. Et on va monter les fesses. Allez, je me recule et on y va. 1, regardez, je vous regarde. 2, 3, 4, 5. On monte, on serre bien les fesses. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste là-haut et tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va serrer les pieds et les genoux.
Et on reprend. 1, 2, 3, 4. On s'y attrape un peu, hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On reste, on soulève une jambe et petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, coucou le chat, 16, 17, 18, 19, 20, on change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, et 20. Alors, comment on sent après cette petite séance de fessiers? On amène les deux genoux à la poitrine. Hein? Et on tire un petit peu les fessiers. Et moi, je reprends un petit coup à votre santé. Alors, on va juste étirer un tout petit peu. On va s'asseoir. On écarte les jambes. Alors là, je suis pas très très bien. Ah, hop. Et on descend en devant. Tranquille. Hop. On a les jambes écartées. Une jambe d'un côté, une jambe de l'autre. Et on descend. Alors, il n'y a pas la papillote. Pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être qu'il y en a, il faut aller chercher la papillote à Noël. Pâques, c'est raté. Je pense qu'on ne se verra pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait une petite séance jambes. Tranquille, toute petite séance. Il faut que ce soit la première séance que vous fassiez si vous n'avez pas fait de sport jusqu'à maintenant. Je vais complexifier ces séances. Je vais en faire un peu plus avec les bras, un peu plus les abdos. Là, j'ai pas fait d'abdos. On fera un peu de tout. Vous pouvez suivre chaque séance l'une derrière l'autre. Vous pourrez suivre juste une séance. C'est bien d'en faire plusieurs fois par semaine. Vous essayez de tenir le choc. Comme ça, à la rentrée, dès qu'on se voit, le plus vite possible, eh ben, on sera en pleine forme. Allez, on descend un petit peu plus. On essaye d'aller attraper ses pieds avec ses mains. On a les mains écartées, comme ça, les bras écartés. Et on descend. Ça doit tirer un petit peu dans les jambes. Ça doit faire du bien. On souffle, j'ai l'air qui me souffle dans le dos, ça fait du bien. Ah, ça m'avait manqué ces petites séances. Le vélo elliptique tout seul, c'est pas très drôle, hein. C'est pas très grave, on va bientôt se revoir. Alors, pour étirer, on va mettre une jambe pliée derrière. Et on va les mettre les deux mains derrière. Ouh là là, vous voyez le plafond, c'est pas génial. Alors, je vais m'améliorer. Je ne suis pas une experte des vidéos, comme vous pouvez le voir. Mais je vais trouver le moyen de le faire correctement. Là, c'est la première séance. Vous avez même eu droit à la visite de mon chat. Je tire un peu plus en arrière pour étirer le quadriceps, le muscle qui est au-dessus. Et on va changer de jambe. Donc je change de main. J'essaye de ne pas... Oula! Ça me grossit le visage, dites donc. J'essaye de ne pas toucher l'écran. Oh, vous avez des effets de... Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux comme je les entends. Alors,
Ça fait une petite vingtaine de minutes, cette séance. J'en ferai des plus longues, je ne savais pas bien comment commencer, comment faire. Donc, je vous promets que les prochaines séances seront peut-être plus intenses, plus fournies. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne nuit. Je ne sais pas ce qu'il est pour vous. Je vous embrasse bien fort. J'espère que ça va. Et puis, donnez-moi de vos nouvelles si vous voulez, si vous avez mon numéro. Et puis, donnez-en à vos proches. Prenez de leurs nouvelles. Je vous embrasse bien fort.